Cette vidéo a pour but de vous faire découvrir de nouveaux états d'esprit plus agréables que ceux que nous vivons d'habitude au quotidien. Elle comporte deux séquences, la force du sourire et la force du silence. Ces états d'âme s'obtiennent d'ordinaire par la pratique de disciplines spirituelles comme la méditation ou la prière, ou d'activités artistiques comme le théâtre ou le mime. Mais il est possible aussi d'entrer dans cet état d'esprit par empathie avec une personne qui les vit déjà. J'utilise un langage légèrement décalé, ainsi que la force du silence, pour vous inviter à entrer avec moi dans ces perceptions particulières de la réalité. Il vous suffira d'écouter ma voix et de porter votre attention sur mon regard. Est-il nécessaire de parler pour se comprendre? Je pose la question. Est-ce que le regard n'est pas déjà suffisamment éloquent? Est-ce que le fait de se voir n'est pas en lui-même suffisant? Faut-il même se regarder dans les yeux? Quand le reflet des lunettes empêche de voir vraiment l'éclat de la lumière qui existe certainement au fin fond du regard. Alors même que cette lumière est masquée par le reflet des lunettes, est-ce qu'on ne sent pas déjà la sensation de présence, d'énergie indescriptible qui émane d'un visage souriant? Est-ce là la force du sourire? Est-il même nécessaire de sourire quand la présence, l'amitié, la complicité, la sensation d'être simplement ensemble, là, à se regarder l'un en face de l'autre, et même, est-on vraiment l'un en face de l'autre? Lorsqu'on te regarde à un moment différent du temps et de l'espace, est-ce qu'on est vraiment différent? Est-ce qu'on est vraiment à distance lorsqu'on est là tout simplement avec juste une sensation naturelle de complicité, une sensation d'être simplement face à un être humain comme soi, avec sa transparence, mais aussi son mystère. Car l'être humain est mystérieux, n'est-ce pas? L'être humain a ce quelque chose d'indéfinissable que l'on ne peut pas décrire avec des mots, que l'on peut simplement ressentir comme une présence amicale ou je ne sais quoi.
un je ne sais quoi. Un je ne sais quoi de vie qui ne s'explique pas, qui est comme une sensation à l'intérieur de soi. Un je ne sais quoi qui fait du bien au cœur, qui fait chaud au cœur. Simplement par la sensation de plaisir partagé, naturel, que l'on peut ressentir face à un autre être humain. Cette humanité qui fait défaut aujourd'hui au sein de nos sociétés, par le fait qu'elle est indéfinissable, et que, aujourd'hui, il est de bon ton de pouvoir tout définir, tout expliquer, et que l'indéfinissable a mauvaise presse. Et pourtant, n'est-ce pas l'indéfinissable qui manque aujourd'hui, lorsque tout s'achète avec de l'argent, tout ce qui peut être défini pour le moins, et ce qui ne peut pas être défini ne peut donc pas s'acheter. Et c'est peut-être la valeur la plus simple, la plus discrète, humble. Certains concluraient inutile. Certains concluraient que, puisqu'elle est humble et simple, puisqu'on ne peut pas la définir, c'est qu'elle n'a pas de valeur. Et vous, ça vous fait sourire? Tant mieux. Je vois qu'on se comprend sans avoir besoin de beaucoup se parler. Et peut-être même que j'en ai déjà trop dit. Peut-être même que si j'étais resté là, simplement, à vous regarder comme ça aurait suffi.